This is Donc salut à tous, on se retrouve pour mon 10e tuto. Donc ce tuto il va consister à comment entretenir son pot d'échappement. C'est très important parce que si vous l'entretenez mal, votre pot va rouiller. Et on se retrouve tout de suite. Alors, pour entretenir votre pot d'échappement, alors rien de plus simple. Pour commencer, vous allez déjà passer un coup de chiffon sur tout votre pot. Donc vous passez bien un coup de chiffon sur tout votre pot pour enlever les impuretés de rouille, de poussière, de gomme qu'il peut y avoir. Tout ce qui peut aller sur votre pot et le salir. Donc, vous avez fini de nettoyer un peu votre pot. Ensuite, vous allez prendre un fond d'huile qui vous reste, de l'huile. Vous allez en mettre sur votre chiffon. Vous en mettez un peu, vous pourrez en remettre si on n'a pas assez. Voilà, vous mettez de l'huile. Et vous allez en badigeonner partout sur votre pot. Donc à la sortie du cylindre piston. Voilà, un peu partout. Donc c'est très important parce que c'est ce qui va permettre à votre pot de rouiller beaucoup moins vite, de le faire brunir. De le faire bleuir. Par exemple, si votre pot devait être une éponge, il faudrait qu'il soit imbibé. La cartouche, la cartouche va pas rouiller, mais c'est juste pour la faire brunir. Voilà, la cartouche va pas brunir ni rouiller, ça va la faire briller, ça va, ça lui fera pas de mal, quoi. De toute façon, vu que votre chiffon est plein d'huile, autant en foutre partout où vous pouvez. T'es pas une soufflette. Donc moi ça fait déjà un moment que je mets de l'huile sur mon pot. Et à la base il était vraiment doré comme ça partout. Enfin pas doré, là c'est argenté. Donc il était comme ça partout. Et je vais vous montrer à la sortie de mon... Enfin déjà là, on peut voir que le pot est bien brun. Voilà. Vous verrez pas grand chose mais ça fait vraiment très beau. Et regardez sur cette partie là comment c'est vraiment doré. Et je vous promets que ça rend vraiment super bien sur la moto. C'est vrai, ça fait tout doré sur toute la longueur. C'est vraiment très beau. Donc voilà. Donc là il serait sûr de mettre de l'huile sur ma... Non, juste une huile parce que... Pour que je glisse très bien sur ma tête. Non, ouais. Juste une huile, j'en ai pas. Donc vous avez... entretenu votre pot d'échappement. C'est la vie. Donc faites ça vraiment régulièrement, on va dire une fois par semaine, parce que comme ça votre pot va être vraiment au top de sa forme et comme ça il va éviter de rouiller. Si vous le faites pas, il va rouiller, vous allez vous en rendre compte. Par exemple, on va aller voir sur la moto de X-Racer. Donc lui, ça fait un moment qu'il a son pot, il ne l'a pas entretenu suffisamment. On peut voir la rouille qui s'est vraiment installée partout. Donc voilà, quand on frotte, la rouille s'en va. Merde. Donc bon, ça faut vraiment le faire si vous avez le temps. Mais bon, le frotter, le polir. Mais bon, vous pouvez voir qu'il y a de la rouille. Que la rouille a infecté son pot d'échappement. Bon après c'est chiant, moi je suis obligé de tout démonter avec un carénage pour le faire. Voilà, après si vous avez comme lui une belle TZR,
C'est plus embêtant parce que vous devez démonter les carénages pour graisser à la sortie du cylindre et tout le pot. Donc voilà, à tout de suite. Bon, du coup, vous venez d'entretenir votre pot d'échappement. C'est pas compliqué, il y a juste un petit coup de chiffon à passer, de l'huile, et puis voilà, ça se passe très bien. Surtout, entretenez-le bien, parce que comme je vous l'expliquais dans la vidéo, il va rouiller très très vite. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à liker la page, aller voir la page. On est très actifs pour les messages. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et faites gaffe les gars.